Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que c'est une occasion un peu spéciale. On va enfin démarrer les premiers semis de cette année, depuis le temps qu'on attend ça. Voilà, je suis très enthousiaste, j'espère que ça va bien fonctionner. Pour ce faire, voilà, ce sera donc du semis ici à l'intérieur. Avec du terreau, donc du terreau de qualité moyenne. Je ne suis pas allé chercher du terreau particulièrement dédié au semis. Et ce petit instrument là, cette petite machine qu'on appelle un presse-motte, qui permet d'obtenir donc des petites mottes carrées avec une petite dépression dans le sommet de chaque motte qui va permettre d'accueillir la graine dans de bonnes conditions. Je pense que c'est très bien cette petite machine, d'autant plus que je l'ai prise sur une section assez faible, ce qui va me permettre d'utiliser voilà des boîtes de ce type-là dans lesquelles on peut amener des croissants par exemple à sa chérie le dimanche matin et ensuite réaliser une petite serre hein, ni plus ni moins. Voilà, les petites mottes seront posées à l'intérieur et puis ensuite à l'humidité et à la chaleur voilà ça sera très bien conservé de cette manière quoi. Voilà un peu comment je compte procéder pour ces premiers semis. Ensuite, il y aura une partie de semis également qui sera réalisée en bouteille. Et voilà, je vous propose de m'accompagner pour voir tout ça ensemble. Alors voilà donc, nous sommes prêts à réaliser les premières mottes qui vont venir ici dans ces boîtes de plastique qui vont les accueillir à la manière de petites serres, je disais tout à l'heure. Bon, avec un petit effort, vous pouvez lire les nouvelles donc sur le journal à l'envers. En fait, j'ai promis à Séverine de ne pas procéder à ce travail-là dans la maison, mais je ne suis qu'un menteur et j'ai donc pris le parti de protéger la table au maximum et d'essayer de finir le tournage de ce petit film avant qu'elle ne soit de retour de son travail. C'est parti. Alors, je vais commencer par charger un peu en terreau. Le terreau doit être correctement humidifié, bien entendu. Hein, j'ai pris la peine de l'humidifier correctement, suffisamment avant voilà, d'entreprendre ce travail-là, de manière à ce que le terreau puisse être moulé hein, par la machine. Si le terreau est trop sec, on n'arrivera pas à obtenir les formes voulues, ça tiendra pas tout simplement, ça va se déliter et ça ne va pas tenir hein. Alors j'ai aussi pris soin d'enlever les particules un peu grossières présentes dans le terreau, dans la mesure où c'est pas un terreau très très fin, je pense pas que ça soit déterminant vraiment, donc voilà. C'est bien. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Tout simplement. Et ensuite, il suffit de venir démouler. Voilà. Et on obtient, comme vous pouvez le voir, donc 5 mottes hein, qui sont donc réalisées avec une petite dépression dans chacune d'entre elles. C'est parfait, je vais pouvoir comme ça en placer quelques-unes dans cette boîte et avec la hauteur donc qui me reste par-dessus, j'ai largement le loisir de voir les plans redémarrer et atteindre une certaine hauteur avant de devoir ouvrir. Donc c'est parfait pour assurer, je pense en tout cas vu d'ici hein, que c'est parfait pour assurer le démarrage voilà, de ces semis dans de bonnes conditions.
Voilà donc une première barquette, appelons ça comme ça, qui est prête. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5 sur 5. 25 donc petites mottes prêtes à accueillir une graine chacune. Et on va commencer donc à procéder au semis proprement dit. Alors, je me propose d'essayer quand même quelques laitues. Je pense que c'est ce qui pourra se semer en premier dans la... Eh bien, dans la serre, hein, en attendant que les tomates y soient implantées un peu plus tard en saison, on va quand même tenter de faire quelques laitues sous abri. Alors voilà, il s'agit donc de la laitue reine de mai. Alors je ne sais pas du tout comment les graines se présentent. Ça va être une découverte. L'idée étant de placer une graine par motte, idéalement, de manière à obtenir un plant, voilà, directement repiquable en pleine terre. Ouais, c'est fin. Ce sont des graines vraiment... Oh là là, ce sont vraiment des graines très très fines. Ouais, voilà, c'est vraiment minuscule. Voilà ce que ça donne. Hop, voilà, une graine. Ici. Une là. Une là, voilà. Une ici. Et une là. Voilà donc 5 graines de cette laitue reine de mai qui, je l'espère, donneront du résultat d'ici peu. Et on recouvre simplement un tout petit peu de terreau. Voilà. Dans chaque trou, très simplement. Voilà. Et voilà. On presse un peu, voilà, il faut que la graine soit bien au contact du substrat, bien entendu. Voilà, c'est suffisant. Terminé. Voilà pour cette première ligne de 5 laitues. On va en mettre d'autres. Voilà, le semis à proprement parler est prêt, donc une variété par rang, hein. Pour le moment j'en suis au stade du test, je vais pas aller trop vite, et un peu, voilà, un peu d'humidité quand même avant de refermer la boîte. Voilà, je vaporise un peu d'eau, et on verra si ça sera suffisant, pas trop mouillé pour ne pas que les mottes se défassent. Quand même. Alors j'ai quand même le sentiment que les mottes sont un peu petites pour les grosses graines type courgette. Bon, on verra bien. À suivre. Voilà, ça me semble bien, bien humide. On pourra toujours ajouter un peu d'eau si nécessaire. Je referme. Voilà. Et ça, ça va donc rester à la chaleur et à la lumière sous le patio. Hein, on a ici possibilité de les placer eh bien sous un puits de lumière. J'espère que ça sera suffisant. De toute façon, on constatera un petit peu les résultats dans les semaines qui viennent. Hein. Bien, les semis donc en barquette plastique sont terminés, 50 petites mottes, on verra un peu ce que ça donne. Encore une fois, c'est un essai, je pense qu'il est peut-être un peu tôt quand même. Bon, là je tiens plus, allez on essaye, on verra bien. On va maintenant procéder donc au semis en bouteille d'eau. Une dizaine de bouteilles, essentiellement des pieds de tomates, poivrons, aubergines, donc des choses qui sont destinées à aller sous la serre.
un peu plus tard. Et l'idée, c'est donc de les faire germer, élever ici à la maison, puis de les endurcir, c'est-à-dire les sortir quelques heures peut-être par jour, le week-end par exemple, lorsqu'on est là, de manière à les acclimater un petit peu, et puis ensuite, voilà, plantation directe de la bouteille à la pleine terre, sans intermédiaire. Voilà, c'est ça l'idée, hein. Alors pour ce faire, c'est très simple, j'ai découpé quelques bouteilles d'eau, voilà, de cette manière, hein, voilà, comme ça on voit peut-être un peu mieux, en laissant une charnière, et on va remplir donc le fond de la bouteille avec des billes d'argile. Voilà. C'est une méthode a priori qui est déjà pas mal éprouvée, hein, et qui semble vraiment, disons, permettre d'excellents résultats. Voilà. À défaut de billes d'argile, des graviers par exemple seraient tout à fait envisageables. Bon, le fait est que les billes d'argile sont réemployables. Bon, pourquoi pas partir sur ce produit-là, quoi. Voilà. Voilà. Encore un peu. Voilà. Donc, un petit fond de billes d'argile, hein, voilà, et on va faire ça dans chacune des bouteilles et recouvrir d'eau jusqu'au-dessus des billes d'argile. D'accord ? C'est ça l'étape suivante. Et ensuite, on mettra le terreau, le semis et on referme. On va faire ça ensemble. Voilà, donc les bouteilles sont prêtes, de la bille d'argile et puis de l'eau, hein, voilà, à hauteur des billes. Donc, on va maintenant pouvoir y mettre du terreau. J'espère que ce bac en plastique dans lequel j'ai entreposé le terreau n'était pas destiné à un autre usage pour Séverine. Je l'ai trouvé à la cave, sinon je vais passer un seul quart d'heure. Bon, on verra bien. Voilà, terreau un peu émietté, c'est quand même mieux. Voilà. Voilà donc le terreau sec, hein, donc placé au-dessus des billes d'argile et de l'eau. On va pouvoir maintenant venir y déposer une graine et recouvrir très légèrement et fermer la bouteille. Bon, je vais faire ça d'abord le remplissage de toutes les bouteilles. Voilà, donc on va pouvoir maintenant procéder au semis proprement dit. Je vais commencer par quelques tomates par exemple. Et l'intérêt de ce système, c'est qu'on aura un confinement vraiment dans la bouteille d'eau. Donc un effet serre, hein, très clairement, et puis pas besoin d'arroser non plus. Et on viendra enlever le bouchon dans un premier temps lorsque le plant commencera à bien sortir, à bien germer, et puis ensuite on pourra ôter complètement la partie supérieure. Mais bon, ça c'est, on n'y est pas encore là. Alors là, on va sortir quelques graines de tomates. Ce sont des graines assez fines. En voilà une. Voilà. 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 Une ici. Une, peut-être deux par bouteille, ça peut être bien pour être certain que ça parte. Et puis, enfin, disons pour augmenter les chances en tout cas. Voilà. Alors, je les mets bien à part parce que, bien entendu, il va falloir noter sur la bouteille eh bien, de quelle variété il s'agit. Sinon, on ne saura pas avec certitude ce qui a bien fonctionné ou pas. Et puis, au moment de les planter également, dans le cas où tout fonctionne ou presque. Il est important quand même de savoir reconnaître les variétés. Une seconde. On va en faire trois.
légèrement recouverte, voilà. Parce que les graines sont très petites, il faut donc les enfouir très peu. Hein, l'enfouissement, donc la profondeur d'enfouissement d'une graine, eh bien généralement dépend de la taille de cette graine elle-même, quoi. Hein. Voilà. Donc là, il s'agit de très précoces. Voilà, je vais laisser l'étiquette avec, comme ça je pourrais sans problème noter sur les bouteilles. Et maintenant, on va en mettre une autre. Une tomate cerise. Voilà. Oh, les graines sont encore plus petites ici. Oh là là. C'est vraiment du semi, j'allais dire, de précision. En voilà une. Bon. Alors c'est psychologique, hein. Les graines sont très petites, et puis du coup ben, j'en mets 3, ce qui est sans doute pas souhaitable finalement, mais bon, on verra bien. J'espère que je ne serai pas ennuyé à devoir démarrer un peu les pieds entre eux, ça serait quand même embêtant. C'est pas le but poursuivi, on verra. Voilà, donc les bouteilles sont prêtes, et bien il n'y a plus qu'à les refermer, scotcher tout simplement, et puis comme les boîtes de tout à l'heure, les boîtes plastiques dans lesquelles j'ai réalisé les mini-mottes, et bien on va placer ces bouteilles à la chaleur et surtout à la lumière. Voilà. J'en profite pour remercier ouvertement vraiment Alain qui sur le site Jarditroc propose très généreusement des graines à qui on a besoin, sans aucune contrepartie. Je trouve que c'est vraiment un geste très très sympa qui m'a permis là d'accéder à quelques variétés supplémentaires. Voilà, donc merci Alain. Alors évidemment, il est important d'écrire le nom de la variété sur la partie basse de la bouteille, puisque la partie haute va finir par être supprimée. Voilà, c'est pour des raisons évidentes. Bien penser à écrire sur la partie basse de la bouteille. Voilà, c'est terminé, les bouteilles sont hermétiquement fermées, donc l'humidité va pouvoir y rester finalement, et puis alimenter ces graines et donc ces jeunes plants en devenir. Je pense que le terreau, c'est pas la peine d'aller chercher du terreau très riche, comme je le disais tout à l'heure, la graine a ce qu'il lui faut pour démarrer, au moins les deux cotylédons, voire un peu plus, dans ses propres réserves, et
voilà, je pense pas vraiment qu'il soit pertinent d'utiliser un substrat trop riche. Voilà, dans le cas de semis, on verra si cette expérience me donne raison ou pas. La technique des bouteilles, je ne sais pas à qui l'attribuer. Je la vois beaucoup sur Internet, avec à chaque fois des résultats excellents. J'espère qu'on va pas se planter et puis faire la différence sur ce point. On verra. Là encore, c'est une première fois avec tous les défauts qui vont avec, mais je pense que pour le coup, il n'y a pas trop moyen de faire de grosses erreurs. Ça devrait fonctionner pas si mal que ça. Je vais en entreprendre d'autres par la suite, aubergines, etc. Là, c'est à valeur de test un peu pour voir aussi dans les prochains jours. On est mi-février, il est quand même très tôt. Voilà, donc il y aura d'autres semis à suivre, bien entendu. L'idée ici était de vous présenter un peu la méthode que nous allions suivre dans le cadre du potager qui dit non. Il me reste à vous dire merci de m'avoir suivi encore une fois hein, sur cette vidéo et à ranger tout ça avant le retour de Séverine si je tiens à manger quelque chose ce soir. Voilà, à bientôt, ciao ciao.